Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire le nom de ton édition? Ouais, alors il n'y a pas que le nom de l'édition. Le projet global, on va dire, s'appelle Otarie 2000. C'est aussi le nom que j'utilise en fait pour auto-éditer ces fanzines. Parce que du coup, je fais ça toute seule avec vraiment pas beaucoup de budget. L'installation, elle est composée, tu peux le voir, d'une structure en métal, de vidéoprojection, c'est des gifs que je viens mapper sur des images qui sont imprimées fixes. Et du coup, de tout ça, j'en fais des fanzines qui servent en mode documentation. Et j'essaie de faire dialoguer le tout ensemble et créer un peu des environnements. Donc, tout marche ensemble, même si ça devient des objets un peu autonomes, on peut aider. Dans lesquels on a un aperçu des images avec lesquelles je travaille, mais tout dialogue ensemble, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Donc c'est ton nom d'artiste, Otarie 2000, ou est-ce que ça te représente Ouais, c'est un nom que j'utilise en fait pour le projet, mais aussi, oui, mon artiste, si on peut dire ça. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le contenu donc, de tes fanzines? Pour tes fanzines, il y a beaucoup d'avions. Des images d'avions, des images de cuisine, des images d'animaux. Les images d'avion surtout, tu peux voir aussi, enfin, j'essaie de faire dialoguer les formes du produit, le volume, avec les images qu'on a trouvées dans les fanzines. Parce que bah, le principe des engins furtifs, c'est un peu quelque chose qui m'intéresse, pour la création du volume, etc. Et les images d'avion, je crois que c'est juste, je suis fascinée en fait, par ces objets, et que j'aurais pas fait ça, j'aurais dû pouvoir en conduire, mais c'est pas possible. Donc voilà. Après, pour le contenu des fanzines, il y a pas mal de raisons très très profondes à l'association d'autres types d'images, mais en fait, je me raconte un peu des histoires dont je le fais. Voilà, ces avions, les voyages, les paysages qui sont faits de gâteaux, voilà, j'aimerais bien que ce qui existe, mais c'est pas possible. Donc, j'allais te demander pourquoi est-ce que tu faisais ça, mais tu fais un fanzine autour des avions parce que pas forcément, parce que j'aime aussi beaucoup l'objet. Oui, j'aime aussi beaucoup l'objet avion, l'objet bateau. C'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que chacun a ses trucs. Et c'est quoi le lien entre la technologie papier assez simple et la technologie plus informatique, GIF, animation? Comment est-ce que tu as pu faire ça? Bah, je trouve que c'est intéressant de les faire dialoguer. Ça devient, toi quand on projette des images sur une feuille imprimée, du coup ça augmente un peu, c'est temporaire, tu ne peux pas ramener ça chez toi, mais du coup ça crée quelque chose, un dialogue entre France et enfin, moi j'aime pas me contenir à un seul truc, un seul médium, une seule manière de faire les choses, et du coup j'aime bien croiser, comme pour les images, je vais croiser des choses qui ne vont pas forcément quelque chose à voir ensemble, et pour la technique c'est pareil. Et qu'est-ce qui est important dans ton travail? Cette question, elle est si je devais choisir une chose qu'est-ce qui, toi, te tient le plus à cœur dans ce que tu fais? Tout, mais je pense que c'est surtout. Moi, je m'adresse beaucoup, je fais ça. Ouais, ça se voit. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui me tient le plus à cœur. Ça devient trop sérieux, ça m'amuse plus vraiment. Voilà, je peux bien une formation de pilote. Merci.